pratique que et de accusation contre président Donald Trump, c'est dans menyoye. Abus de pouvoir avec entrave dans travail congrès, c'est dans menyoye. Donc c'est lui qui pour mettre dossier ça yo bay Sénat pour Sénat capable commencer et processus destitution président. Et nous connaît que yo ka quitter, on sa tout yo ka mettre à tête. Donc c'est deux possibilités ça. Donc lui même il te dit et depuis nan jour mercredi que yo te prend vote là contre président, il dit qu'on aller même lui pourquoi voter parce que le pourquoi gain signe que processus là pour un processus qui correct anglais ou dit faire. Il y a un bagage qui est équitable, qui pourra le faire. Pendant ce temps, nous avons parlé de personnages. L'autre personnage encore que nous sommes capables de signaler, c'est Chuck Schumer. Chuck Schumer, c'est le leader minorité dans le Sénat. Lui-même, ça veut dire son démocrate lié. Et puis, Mitch McConnell, lui-même, c'est le leader majorité dans le Sénat. Lui-même, son républicain. Lui-même, il dit qu'on a pas une question de. Il est parti pris, même lui-même. Il dit qu'il a fait de impartial, il n'est pas impartial du tout. Il est partial. Parce que lui-même, c'est un bail pour nous corriger, que ça qui s'est fait dans la Chambre des députés, c'est un bail pour nous corriger, et j'ai à corriger, c'est à quitter le président. Donc nous avons trois personnages, président de la Chambre des députés, et Nancy Pelosi, nous parlons de Chuck Schumer, qui est leader minorité dans le Sénat, qui est un démocrate, et puis Mitch McConnell, qui est leader majorité, lui-même sont républicains. Il y a un personnage encore très important, c'est John Roberts. John Roberts, c'est président. Cour suprême. La Cour suprême, c'est plus haut niveau dans le système judiciaire PIA et c'est lui qui peut aller pour le présider question, qui peut aller pour le présider jugement, ça qui peut le faire. Nous connaissons que l'autre personnage très important, et c'est Donald Trump, qui lui-même s'est souli tout le bagalaye. Il a mis mauvais concombre parce qu'il a besoin de finir avec Baeza pour finir avec parce que lui-même, il a une question de l'élection 2020, l'a réglé là. Donc, lui-même, non. Donc, débat qui gagne autour de questions ça, les débats religieux, est-ce que Jésus était fait le 25 décembre ou pas, est-ce que la Bible dit ça, pour qui ça, la Bible pas préciser ça. Donc, dans pile débat sur lui, mais débat ça va pas empêcher que il est toujours un grand rendez-vous, que ou après en pile activité dans l'occasion. Par exemple, jeudi à dans le pays d'Haïti, ou bien plus précisément dans Port-au-Prince, ou capable en pile activité, malgré tout ça que nous connaissons, le pays a fait face à un pile de difficultés, crise politique, crise économique, impasse ici, impasse l'autre bord. Mais ça n'a pas empêché, d'après toute nouvelle qui vient de nous, Washington étant, gampi l'activité dans le pays. Donc, nous prenons le WSA PITA dans le programme radio sous télévision nous, pour aujourd'hui, mardi 24 décembre 2019. Là, et nous prenons tout ça avec correspondant nous, qui sous place, notamment avec Machado. Et Vilme, nous avons pour nous un aspect ça. Et nous avons l'autre programme. Tout par exemple, demain, nous avons un programme spécial. Ni dans la télévision, ni dans la radio, côté que nous allons aborder question Noël. Mais en attendant, gros point d'actualité, nous avons le Sud très présent dans l'actualité, notamment après l'accident qui fait samedi 21 décembre qui s'est passé là, dans le cortège président qui est après le département Sud. Et bien, nous connaissons que un accident qui fait dans la zone Torbeck. Et puis, il y a un policier qui mourit et il y a plusieurs autres qui blessés. Et l'autre nouvelle qui sortit au cas, c'est que le responsable protection civile, garde-côte, service maritime dans le département sud, a cherché. Tenez bien, 8 personnes qui disparaissent dans un naufrage, un petit voilier qui a fait trajet, Kai Ilavache, et bien, ça arrivé hier après-midi, qui est 23 décembre 2019. Donc, alors que deux moun mouri, 23 lots sous 32 moun, sorti vivant parmi les passagers qui étaient dans le voilier. N'a pas bay chiffre encore. Donc, gen deux moun qui mouri, 23 lots sous 32 moun, ça a sorti vivant, nan passagers qui étaient à bord, ti voilier, ça qui t'a fait trajet, et Kai Ilavache. Donc, nous avons correspondant sous place qui a suivi le dossier pour nous. Nous avons parlé de Jean-Ernst Eliska qui a vu porter plus précision pour nous. Et puis, toujours dans le cas de bateau, dans le cas de naufrage, il y a une autorité dans Bahamas qui mettait main sur un groupe haïtien qui a cherché entrer illégalement dans le pays sans document légal. Correspondant nous dans Orlando Yves Montpremier,
dis-nous que l'autorité a mené groupe haïtien devant un tribunal qui pourra décider si oui ou non il a déporté dans le pays d'origine, donc en parlant d'Haïti. Donc, et nous avons deux cas qui ont rapport avec bateau, un c'est local, un qui a rapport avec Bahamas. Donc, il y a une situation, nous avons suivi tout. Donc, Pita, dans le programme radio sur télévision, nous avons une précision avec correspondant nous, Jean-Ernst Eliscar. Et puis, l'autre aspect que nous sommes capables de signaler dans le pays d'Haïti, il y a plusieurs côtés, il y a une distribution de jouets qui a fait, il y a une autre activité encore pour marquer Noël là, il y a une radio qui fait concours Noël, il y a une autre institution encore qui fait concours Noël, il y a l'autre l'État haïtien lui-même tout qui était mené à l'activité, il y a une petite encore précision responsable là. Donc, il y a une activité, il y a une balle qui a fait, il y a réveillon, il y a un petit bail local qui a fait tout le monde. Ben c'est la caillou, ça nous a connu longtemps, balle de salon. Qui toujours été balle de salon, ben côté, laisse ça, mon à la ménage, petit ménage, nous avons dit dans le pays d'Haïti. Et nous connaissons le reste, et ben c'est le jour, jeune garçon, ou pas qu'à fumer pendant le jour normal, mais 24 décembre, ou râler cigarette, ou ben ou fumer, pas qu'on ait un jour d'hier. Si c'est toujours comme il faut, longtemps c'était. T'es splendide, Jean-Robert. T'es qu'on l'autre encore, et m'bac à songer, mais comme il faut, Alta, bon, m'bac connaît ça. Donc, c'est pour dire nous que, tradition apprêtée, malgré toute difficulté qui est dans le pays, que culture ou gagne dans bas peau. C'est un coup, Emile Michel dit, drapeau ou gagne dans bas peau. Donc, c'est ça, n'a le vivre dans le pays d'Haïti, et d'après les premières informations, qui vient joindre nous. Donc, impasse politique, malgré tout ça, ça n'a pas empêché que le peuple a fait ça au capable pour au fond, tu joues quand même. Mais il y a un pile de monde qui dit, pas qu'à gagner Noël dans une situation comme ça. Mais nous connaissons que la tradition. Métol. Merci. Donc, ça veut dire que le pays d'Haïti, je dis, une expression qui dit ouais pas ouais entraînement pour 4. Donc ouais pas ouais ab gen Noël par contre si tonton Noël a passé mais situation c'est consalier bien que un background qu'on dit anglais a dit sous fond de crise politique nous dans des discours président nous dans des réactions qu'a gagné bon côté opposition politique là donc deux parties ça gagné pas voulu entendre du tout parce que on a parlé de mobilisation et jusqu'à 1er janvier et il préparé même pour faire un funérailles dans place d'âme Gonaïve là côté normalement chef d'état t'a doué lui-même et faire discours pendant ce temps président lui-même il font discours il dit comme ça que lui-même gon calé des monde si nous pas mettre à côté pays pas arranger et si on pas veut à côté pendant y a pas avancé a ka gen ti accident bon grand pile interprétation qui fait de discours ça donc nous quitter ça pour monde qui a fait et qui commentateur politique nous même c'est journaliste nous et puis l'autre point que nous capable signaler question impeachment là donc mise en accusation président avec possibilité pour le perdre du pouvoir là li toujours dans actualité a et je fixé sur plusieurs gros personnalités que nous ta capable signaler pendant que n'a parlé de impeachment aux États-Unis c'est d'abord Nancy Pelosi qui c'est président chambre député a ça relé de speaker of the house li même pour qui ça que nous mettez accent sur non c'est parce que c'est lui qui gagne dossier nan men konya dossier deux articles que et deux accusations contre président Donald Trump c'est dans men yo abus de pouvoir avec entrave dans travail congrès c'est dans men yo donc c'est lui qui pour mettre dossier ça yo bay sénat pour sénat capable commencer et processus destitution président et nous connaît que yo ka quitté on sait tout, il a mis à tête, donc c'est deux possibilités. Ça. Donc lui-même il te dit, et depuis le jour mercredi que il te prend un vote là contre le président, il dit qu'on a lui-même, pourquoi voter parce que le pourquoi il a signe que le processus là, pour le processus qui est correct, anglais a dit faire, il y a un bagage qui est quittable, qui pourrait le faire. Pendant ce temps, on n'a pas les deux personnages. L'autre personnage encore que nous sommes capables de signaler, c'est Chuck Schumer. Chuck Schumer, c'est leader minorité dans le Sénat. Lui-même avait dit son démocrate lié. Et puis Mitch McConnell,
lui-même c'est leader majorité dans le Sénat, lui-même son républicain, lui-même il dit qu'on a pas une question de il y a parti pris même il dit pas il a fait de impartial là, pas impartial du tout. Il est partial parce que lui-même c'est un bail pour nous corriger que ça qui sont fait dans la chambre députée, son bail pour corriger et j'ai corrigé c'est à quitter président. Donc nous avons trois personnages même si allez nous président chambre députée et Nancy Pelosi. Nous parlons de Chuck Schumer, qui est leader minorité dans le Sénat, qui est un démocrate, et puis Mitch McConnell, qui est leader majorité, lui-même son républicain. Il y a un personnage encore très important, c'est John Roberts. John Roberts, c'est président Cour suprême. La Cour suprême, c'est plus haut niveau dans le système judiciaire PIA, et c'est lui qui peut pour le présider. Question qui pourrait pour le président, jugement ça qui pourrait le faire. Nous connaissons que l'autre personnage très important, et c'est Donald Trump, qui lui-même s'est soulevé tout le bagarre là. Il a mis mauvais concon parce qu'il a besoin de finir avec Baeza pour finir avec parce que lui-même, il a une question de élection 2020, l'a réglé là. Donc, lui-même, l'homme. Donc, mais qu'il y a une situation. Et puis, l'autre point que nous sommes capables de signaler au niveau international, en parlant de président Donald Trump, qui parle à la journaliste Jodia, il dit, il paraît, pour n'importe cadeau que Kim Jong-un, en parlant de leader nord-coréen, Kim Jong-un, n'importe ça le voyait comme cadeau, il paraît pour lui, il te met sa lia, pour fleur, pour ou bien, il test missile, donc lui-même, il paraît pour ça, et puis il y a l'autre point que nous avons signalé, qui pas vraiment attire l'attention haïtienne, non, mais il fait partie de l'actualité, c'est l'autorité en Afghanistan qui fait qu'on est aux rebelles talibans ont attaqué une base militaire qui a gagné dans la province Balkh, qui est dans le nord Afghanistan. Côté autour, il y a pour plus petit 7 soldats afghans et ont blessé 6 autres. Donc, c'est quelques points que nous pourrions aborder pour aborder aujourd'hui avant dans le programme radio sous télévision. Et puis, nous connaissons, question nous là toujours dans l'actualité. Nous avons gagné des programmes spéciaux. 7h30, nous avons un programme spécial. À 12h30, nous avons un programme spécial. Deux causes ça, il y en a un, Serge François Michel, avec Lionel Demarat. Marie-Lise Pierre prend soin de Baïsaïo. C'est Lika Banou, plus précision. Et puis, dans l'après-midi, radio dans le programme radio sur télévision, nous avons gagné un programme spécial. Sous Noël encore, Noël aux États-Unis, Noël en Haïti, nous connaissons que États-Unis toujours fêté Noël là, célébré là avec grande pompe. Et puis, moun qui fait commerce, c'est un moment pour faire affaire. Donc, commerçants, yo même, sous la base, sérieusement, depuis Thanksgiving, nous connaissons depuis Thanksgiving, c'est entrée période Noël là, et bien, machin, yo pas chômé, y a fait pile la belle affaire. Mais comme ça, tout le monde n'a pas acheté tout, a essayé, ouais, si vous avez fait tout, jouer quelques petites liquidations. Donc, et puis, nous allons voir tout ça avant dans le programme radio.